Bonjour et bienvenue sur NetProf avec Wilfried et Fabien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le stress. Le mot stress n'est existant que depuis une quarantaine d'années. De nos jours, il est souvent la cause de coups de blues et de coups de fatigue. Tout le monde se laisse dépasser à un moment ou un autre de sa vie et est victime de ce syndrome du XXe siècle. Que faire? Dans cette rubrique, nous allons voir ensemble quelques petites actions pouvant limiter les dégâts liés au stress. Faites une liste. Afin de pallier au maximum aux imprévus, il est impératif de dresser une liste de choses à faire selon l'importance des tâches pour vous éviter le stress de dernière minute. Au travail, par exemple, une bonne gestion du temps vous sera bien plus que bénéfique. Vous serez de ce fait plus détendu et plus productif. Barrez les tâches déjà effectuées au fur et à mesure sur cette liste. Cette méthode va vous permettre de ne rien oublier et en plus, elle vous donnera l'impression de bien avancer. N'hésitez pas à coller des post-it un peu partout s'il le faut, ou alors notez les tâches sur un agenda électronique ou encore sur votre téléphone. Chacun sa technique après tout. Nous espérons que ce petit conseil vous aidera au quotidien et nous vous invitons à suivre nos cours car nous vous donnerons plusieurs conseils dans les jours à venir.